Bonjour, bonsoir, comment nous est dépend de qui l'on a regardé. Et information ça qu'on a partagé avec vous, nous c'est professeur Jacques Andrés de la République Dominicaine, moi pour aider nous connaître comment pour nous capable activer et 2FA dans Novatech. Donc pour capable activer 2FA, c'est simplement li là pour ça reler et simplement capable changer profil ou c'est l'information novatech te ba nou et meaning li di pour update li 2FA c'est simplement pour changer profil ou n'importe information dans profil ou email mot de passe et n'importe ça lié donc date de naissance ou a besoin 2FA mais après ça de le contraire l'autre transaction pas mandé ça donc ou vini dans menu là meaning ou vini dans profil l'on fin choisi profil ou et on va quitter le charger qu'on y a là l'elle fin charger complètement page là fin monter on va aller qui côté qui dit très simple côté ouais qui parler ou de save ou bien sauvegarder on va cliquer là-dedans on va cliquer plusieurs fois pour l'augmenter sur nos laptop ou simplement cliquer une seule fois mais dans téléphone là quand on dit temps des fois l'elle pas l'elle prend plus temps moi font bagaille très simple. Ma le côté qui dit ajoute ton numéro de téléphone, ma ajoute numéro de téléphone moi puis moi vinn cliquer dans sauvegarder et puis l'app monte plus rapide. Donc mené moi gagne ça moi te besoin. Mais Google Authenticator. Ça veut dire li dim deux barres. Li dit moi capable faire ça reler et joindre un secret code ou bien un QR code qui c'est un bail qui bon pile ti dessin que capable scanner pour capable automatiquement ba au code là. Donc avant et comme moi pour gagner m'a pral décharger Google Authenticator et puis m'a pral cliquer get setup code. OK, moi m'te getan voye déjà et donc comme li mande pour moi setup li qu'on y a ça m'pral faire moi pour aller dans Google Authenticator. Donc mais Google Authenticator donc ça m'a fait m'a cliquer dans plus m'a pour aller dans ça qui dit enter setup key là. Et puis moi pour ajouter un nom et Novatech nep et puis là moi mettez un code moi mettez code moi recevoir dans email changez bien que ça mettez qui l'onglet là c'est dans email là ou je ne puis moi sélectionner time base là il y a deux types il y a compte base et puis ou bien time base menu et puis m'ajouter. Donc l'aime fin ajouter, li pral ban mon code et numéro ça ou là et li changer chaque 60 secondes. Et donc ou pa bezwen ki to pou li à chaque seconde l'ap changer meni. OK, va aller nous copier et puis nous tourner, nous venir dans Google Authenticator meni et puis nous mettre et puis nous cliquer update. Et puis l'ap du tan. Moi copier code là na Google Authenticator là l'aime fin faire enregistrement et puis moi venir moi mettre là-dedans l'a chargé meni li dit your change has been saved ça qui en urgence ça veut dire et 2FA li déjà activé pour le moment moi pas gain problème chaque fois moi pour changer un bagage donc m'a simplement venir et puis tout bagay app setup. Donc pas oublier très simple. Premièrement, ou al nan profil ou, lò fin soti nan profil, lò rentre nan profil là, ou descend en bas net côté qui dit sauvegarder, côté qui dit sauvegarder et puis ou fait ça reler, ou cliquer là-dedans jusqu'à ce qu'il boit ou et Google et li bon premier côté pour mettre un numéro, après ça les ou décharger ou capable activer soit pas. Et ça reler secret key ou bien QR qui ce code là ouvre le dans email ou al dans email là ou copie un numéro l'onglet pour ba ou al dans Google Authenticator ou très simple et puis ou fait ça reler côté qui dit setup key là ou ajouter ou mettez nom moun wap mete a ou bien non ou voulez mettre là-dedans pour capable changer le très bien et puis ou sauvegarder et puis ou prend numéro qui pral changer avant 60 secondes là et puis ou al mettre le dans Novatech et puis tout bagage c'est top. Donc c'était un plaisir pour me capable aider nous
Donc, merci un peu. Bonne journée. Laissez avec nous.